Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux ampoules qui ont un défaut, enfin pas un défaut mais vous allez voir ça de vos propres yeux. Donc je tiens à dire qu'elle n'a pas un ballast ferromagnétique, elle a un ballast électronique. Mais regardez pourtant, mince, je me suis trompé d'interrupteur. Voilà, elle reste allumée aux électrodes. Donc d'habitude ça se fait pas ça dans les ballasts électroniques. Donc c'est une ampoule de chez Ikea. Donc voilà. Donc je vais l'enlever celle-là et je vais passer à l'autre qui est une ampoule LED EOL. Donc s'il y a un trait noir dessus, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour voir que c'est une ampoule EOL. C'est parti. Attendez, j'arrive, je vais couper une lumière. Et regardez la grosse particularité, c'est que je vais couper le courant. Donc regardez, je coupe le courant, elle continue. Et même quand je vais la dévisser, elle va continuer un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment très étrange. Donc la marque c'est Thomas Watt. Thomas Watt. Donc c'est une... Je sais pas, 9 watts là. Voilà. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avec ces deux ampoules un peu particulières qui viennent de mon carton que j'ai récupéré des bacs de recyclage. Donc allez, au revoir.